Bonsoir tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo, et il est temps quand même de montrer où on se situe dans la grille maintenant que j'ai expliqué le système. Il faut quand même voir ce que ça donne sur les jeux que nous sommes en train de faire sur la grille, comme vous pouvez le voir au-dessus de ma tête, là, putain, j'ai vraiment beaucoup de mal à gérer les distances, et oh le fond vert dégueulasse. Les trois jeux en gras, surlignés, enfin soulignés, sont les jeux qui sont en cours. Donc Wreckfest, vous avez déjà eu des vidéos dessus. Lightfall, je pense qu'au moment où je tourne cette vidéo, ça a dû commencer. Et donc le troisième jeu, on va faire trois jeux à chaque fois en même temps. C'est Titi et les bijoux magiques. Voilà, déjà rien qu'en disant le nom tout de suite, je pense qu'il y a des gens qui ont fermé la vidéo. Ce serait pas étonnant. On a fait deux. Enfin, on est en train de faire deux jeux très corrects. Il était donc logique que je fasse un jeu de merde, un jeu vraiment bien, bien, bien pourri. Et donc, c'est ce qui va se passer aujourd'hui. Oh là là, je regrette ce moment. Oui, voilà. Nous sommes sur Game Boy Advance. Il y a ma souris. Le son doit être détestable, je vais le baisser un tout petit peu. Un jour! Merde, ma manette, j'ai oublié d'allumer ma manette. Ah! Je sens que je vais devoir me faire niquer. Titi s'est perdu! J'ai besoin d'un petit chat pour me reposer. Je sais pas faire la voix de Titi, hein. Veuillez m'excuser. Titi trouvait une étrange boîte. Une étrange boîte. Pardonnez les sons de la GBA qui sont absolument magnifiques. Il commet une grosse erreur. Il ouvrit la porte. La boîte. Ah, quelque chose ne va pas. Ah, j'ai cru à un robinet. Tout. C'est sale. Tout mon corps me démange. C'est très très sale. Les pieds de Titi commençaient à se charger en bijoux. Soudain, la reine des bois apparut. Mémé. Mémé, la reine des bois apparut. Mais quel est ce vacarme? Seigneur, ce petit oiseau vers la boîte où nous enfermons toute mauvaise énergie de la forêt. Si nous n'arrêtons pas ce sort, Titi va se changer en statue pour toujours. Regardez, ses pieds se transforment en bijoux. Pour sauver le pauvre Titi, nous devons réunir les bijoux magiques et utiliser leur pouvoir. Il suffit de les toucher et vous avez leur pouvoir. Part sur du grand level de story. Mais elles sont éparpillées dans le monde entier. Ouais. On est encore une fois, on dénigre l'Afrique. Hein. Chaque bijou a un pouvoir unique. Peux-tu réunir les 5 bijoux magiques pour que mon petit canari ne soit pas changé en bijou pour toujours? Voilà, donc c'est passionnant. C'est un bon gros jeu de merde. C'est un party game, donc Mario Party, vous connaissez? Bah, là, c'est un mauvais jeu. Sorti en 2001. Le son est extrêmement fort dans mes oreilles, mais je crois que j'ai pas le choix, parce que vous, je vois à peu près avec les barres que c'est à peu près correct. En tout cas, c'est beaucoup moins fort que ma voix. Pour jouer... Ah oui, c'est vrai, va falloir que je fasse la config. Désolé, je fais la config. Bon, ça fonctionne. Alors, pour jouer, qu'est-ce que c'est? Bienvenue à... Premier mot. Premier mot, il y a une faute. Bienvenue à Titi et la fine équipe. Encore une fois, le titre du jeu est changé. C'est Titi et les bijoux magiques. C'est un jeu de société où vous tirez des cartes et où vous avancez en fonction du nombre inscrit sur la carte. Dans ce mode, nous expliquons les règles et la manière de jouer. Commençons. Je sens que je vais le passer le tuto. Non, ça ira. On va jouer tout de suite parce que de toute façon, je vais souffrir. Nouveau jeu! Combien de joueurs... Oh, j'aurais pu... j'aurais pu faire souffrir Manon avec ça. Ouais, non, on va jouer seul. Je vais... Marc-Antoine. Ah merde, j'ai pas configuré la droite. Au secours. Attendez. Je règle ça en direct live devant vos yeux ébahis. Elle est où la droite? Ah bah oui. Fils de pute. Voilà.
Ok, c'est tellement mieux. Donc je peux jouer avec Marc-Antoine Fortuné, grand attaquant de l'AS Nancy-Lorraine. Non, on va pas se faire chier. Je vais prendre Sam le Pirate. C'est moi qui vais sauver Titi. Oui, on a toujours entendu Sam le Pirate dire ce... C'est l'AGB. Pour l'AGB, c'est... Qui choisit les personnages pour l'AGB? C'est l'AGB. Que veut dire l'AGB? La... Je joue avec Marc-Antoine Fortuné. Eh bah putain, on n'est pas sorti. Hein. Vitesse de transformation de Titi. Ok, gros difficulté de la partie. Bon, on va mettre en normal. Non, parce que j'ai pas envie de souffrir. J'ai envie qu'on fasse ce jeu assez rapidement. Mon corps m'a démange, je ne peux plus bouger mes pieds au secours. Bon, ok. On va voir ce que ça donne. Hein. Pour aider Titi, trouve les 5 bijoux magiques dispersés dans le monde et prends leur pouvoir. La carte en bas à droite de l'écran indique des bijoux brillants. Elles indiquent les villes où se trouvent les bijoux magiques. Voyage jusqu'à ces villes et prends le pouvoir des bijoux. Le premier qui aura les 5 bijoux sauvera Titi. Je ne sais pas contre qui je joue, ça qui est génial quoi. C'est quoi ça? Oh putain, il y a une gestion d'objets. Ça c'est si je veux bouger la carte. Je suis où là en fait? Je suis en Inde. Ok, d'accord. Ah oui! Système, ça doit être la sauvegarde, non? Vitesse, on va mettre en normal s'il te plaît. Combat des autres, ne pas voir, comme ça on ira plus vite. Guide. Oh là là, d'accord, c'est un jeu éducatif. C'est détestable. On va essayer d'aller en Chine. J'ai fait 11. Eh ben on va dire que c'est pas mal. Par contre je peux... Je suis obligé de grimper pour aller vers le... Oh là 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 là, c'est détestable. C'est détestable. Ou alors on part d'abord vers genre la Russie et on fait paf 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 paf. Je sais pas. On va regarder. Attends. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. D'accord, c'est moi je voulais juste voir, il me le lance directement. Bah va te faire foutre. Hein. Marc-Antoine, oui. C'est très bien. Lui, il démarre à... D'accord. Il démarre en Irlande. Je continue, c'est génial. Et quand est-ce qu'on fait des mini-jeux dans ce putain de jeu? 3. Score de pauvre. je sais. Ah, j'ai pas le choix, je suis obligé d'aller en bas. C'est passionnant, chat. Ah, un mini-jeu, enfin. Cross on the Shell. Commencer mini-jeu, fonction manette. Saute... Putain, c'est tellement moche. Saute sur le dos des tortues, traverse l'eau. Se déplacer, sauter. Passionnant. C'est passionnant. Je saute. Allez. Oh putain, c'est... Oh là là, c'est lent. Oh, c'est lent. Oh, c'est... C'est ça, mini-jeu ! Me suis fait niquer par Marc-Antoine ! Oh là 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 là... C'est nul ! Oui ! Tu gagnes 10 fois... Pourquoi je fois 2 ? J'ai eu un bonus... Aide-moi le jeu. Hein ? What ? Oh merde, je crois qu'il est dans la ville d'un des joyaux. Ouais. Il est dans la ville d'un des joyaux. Au secours. 6. Bah, je crois. Ah, j'ai pas le choix. 4, 3, 2, 1. Je suis pas loin, hein. Je suis pas loin de Shanghai. Je crois que c'est juste au-dessus, là. J'essaye de comprendre, franchement, pardonnez-moi, j'essaye de comprendre vraiment ce qui se passe. Voilà, il a capturé le bijou violet. Ah, mais alors en fait, on peut tous avoir les pouvoirs. 4. Face à face. 3. Non ! Il me fallait un de plus. Jeu de pauvre.
Et comment tu... T'es obligé de faire le tour pour... D'accord. Oh, c'est quoi ce jeu? Tu es arrivé dans le magasin d'objets. Ah, d'accord, donc... Ça, c'est un principe qui est pas con. Enfin, c'est l'équivalent des pièces dans Mario Party. Donc, tu gagnes des mini-jeux, donc tu gagnes des points, et ces points, tu peux les acheter contre des objets. Enfin, tu peux les échanger contre des objets. C'est pas con. État actuel de Titi, 8%. Au secours. Mais attends, parce que si je fais la carte... C'est où que je dois aller, en fait? Non, pas système. Quitte. Mais non, quitte pas. Oh, c'est de la merde. Guide. Je suis au Vietnam. Mais je... Ah, faut que je fasse... Je peux pas faire... Oh, c'est débile. Parce que, en fait, le truc, c'est que je sais pas si je dois atteindre cette ville-là qui est là-haut, ou si celle qui est là, c'est la bonne. Parce que, quand je vois la map, je suis en dessous. Donc, faut que j'aille au-dessus, en fait. 9. Ah bah, 9, c'est bien. Pékin. Ah, c'est ça. D'accord. Ok, on va là. Je crois que je suis pas mal. Là, je crois que je suis pas loin du joyau jaune. Vas-y. Attends. Explication objet. Plume d'hibou. Utilise ça pour augmenter ta mobilité par 2. Effectivement, c'est pas mal. C'est le favori de la tazette. Je m'en bats les couilles. Tu peux endormir un autre joueur. C'est pas mal. Protège le pouvoir du joyau violet en cas de match nul. Oh, ouais, mais j'ai que 20 points. Donc, de toute façon, retour au jeu. Je ne peux rien acheter. Rien qui m'intéresse, en tout cas. Voilà, il est en haut. Parfait. Marc-Antoine qui s'amuse énormément à Moscou. Et qui sort de Moscou. Putain, il est en train de partir à Pékin. Je le sens pas, le coup, là. Bizarrement. Je vais me faire enculer, moi. Et sinon, on fait des mini-jeux un jour. 3, 2, 1. Tu as capturé le pouvoir du bijou jaune. Très bien. On est à un chacun. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il appelle un serpent. Et alors? J'ai pas compris. Oui. Ça veut dire que j'ai pas le droit de passer là? Ah, un mini-jeu, enfin! Enfin, j'espère que c'est moi qui le fais. Oui, voilà. Splitting Logs. Alors, fends autant de bûches que tu peux. Tu n'as pas de points pour d'autres objets. Seulement les bûches. Coup de bûche. Touche. Toucher les bûches. Pas compris! Non! Mais non! Fais B! Voilà. Voilà. B. C'est une bûche. Vite! On s'en fout. Vas-y, casse. Non. Voilà. Vas-y, encore. Allez, continue. Voilà. Ça, c'est de la bûche, ça. Oh putain, qu'est-ce qu'on s'amuse! Qu'est-ce qu'on s'amuse sur GBA! Quelque chose de qualité! Putain, mais Marc-Antoine, il me casse les couilles! Il gagne x2, pourquoi? Il gagne x2! C'est quoi? Oh. Bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Au secours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. D'accord. Peu importe, faut que je fasse 7. Eh ben, on va faire 7. Carte excuse. Me dis pas que je bouge pas. Hein?
Oh, c'est passionnant! Il est déjà à Pékin! C'est un cauchemar! Je suis en train de me faire ruiner le cul, quoi! Ah, oh, c'est abusé! Oh putain! Mais rendez-moi. Ah bon, voilà, ça y est, je peux sortir de Pékin. Ça se trouve, l'avion, c'est peut-être bien. Hein. Je sais pas. Bon, en tout cas, on va sortir de Pékin et maintenant, il faut qu'on. Pourquoi Moscou n'est plus sûr? Ah oui, Moscou, oui, oui. Ça va! Et il peut déjà sortir! Il peut. Ah! Oh! Non! Oh l'enculé, il m'a pas défié, on aurait pu se défier pour un bijou! 9. Bah je sors! Puis on va partir à... Voilà, hein. On va essayer de partir vers l'Australie. Mini-jeu, enfin, c'est passionnant. Treasure diving. Alors, plonge dans la mer jusqu'au coffre au trésor. Changer de sens, plonger. Ça a l'air passionnant. Passionnant comme jeu. Hein? Non, arrête! Mais t'es sérieux? Zéro fois deux égale zéro? Je suis en train de me faire violenter le cul, quoi. Où il va? Pourquoi je... J'ai l'impression qu'il part vers les États-Unis maintenant. Pourquoi il va là-bas? Dis-moi qu'il y a... Allez, ça. Un oiseau migrateur. Ah, fort, je cherche plus à comprendre. Dis-moi que c'est ça. Sydney. Oui, ça doit être ça. Et hop, on va au shop comme ça. Parfait. Là, on a fait une bonne avancée. Parce que là, on n'est pas loin d'avoir le deuxième joyau et d'être à égalité avec Marc-Antoine. Ce qui est très bien. J'entre dans le magasin. Alors, explication. Putain, 100 CP. Ticket d'avion, ouais, tu m'étonnes. Harpe à plein la tempête. Appelle une tempête sur les autres et réduit leur mobilité. Pas mal. Réveille instantanément le joueur endormi. Et puis ça, c'est le pouvoir du joyau bleu. Ok. Alors, on va choisir l'harpe appelant la tempête. Comme ça, on va ralentir un petit peu Marc-Antoine qui commence à me casser les couilles. Cette lutte incroyable chez la Warner Bros. Entre deux personnages absolument capitaux de l'histoire des dessins animés, Sable Pirate. Il s'est coincé par son propre serpent. J'applaudis. J'applaudis le grand... La progression. Où est le joyau? Oui, j'ai fait le bon chemin. Paf, paf. Très bien. Très très bien. Ça y est, deux joyaux partout. Nous sommes à égalité. Je retourne au jeu. Voilà, j'ai le... Du bijou vert. Et il ne peut pas bouger, c'est terrible. Il passe son tour. Incroyable. C'est passionnant. Alors, ça fait quoi juste l'oiseau? Utilise ça pour augmenter ta mobilité. C'est x3 ou c'est plus 3? Parce que c'est x3, c'est un bonheur. Hein.
Moi je le fais tout de suite. x3. 21. Et en plus, en 7, j'obtiens un objet. Oh là 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 là. Un mystérieux coffre au trésor. Est-ce qu'on peut... On va essayer de partir en Amérique du Sud, si je peux. J'ai l'impression que je peux. Par contre, j'ai peut-être pas pris le meilleur des chemins. Ça, je vais rester un bon moment coincé en mer. On va faire ce que j'imagine être soit Rio, New York et Moscou. Et lui, du coup, repart vers Sydney comme un abruti X. Tu es étourdi par le vent. C'est 25... Putain, on a déjà fait un quart de la partie. Au secours. En tout cas, le petit x3 aura aidé. Hein. De toute façon, là, on n'a pas le choix. Mini-jeu! Ouais, passionnant, on va s'amuser. Wouh! Climb the palm tree. Si tu n'arrives pas en haut, tu as 0 points. Comment jouer? A, grimper. Mais c'est passionnant. Bah, je vais mâcher le bouton, mais à mon avis... Comment ça marche? Mais oui, il fallait s'acharner comme un connard! C'est nul! J'avais compris et je peux... C'est nul! Et il peut pas bouger! C'est un pauvre! Allez, bah on avance, nous, hein. Ouragan de la Tazette. Merde. Je suis propulsé ailleurs. À côté de Moscou! Allez! Parfait. Ah, nickel. Ah là, moi je prends tout de suite. Moscou, c'est là, donc on va aller là. Il m'a rongé presque. Bah, il faut que je retraverse l'Atlantique, ce qui casse un peu les couilles, mais allez, ça passe. C'est passionnant ce jeu, hein. Franchement, on s'amuse beaucoup, je trouve. J'espère faire qu'une seule vidéo dessus, parce que là, ça va être... Peut-être qu'il va falloir en phase 2 pour finir la partie. C'est terrible, quoi. Et rendez-vous compte qu'une fois que vous avez... Enfin, une fois que t'as les 5 joyaux, en fait, t'as gagné. Bon, ça, j'ai compris comment ça marchait, c'est de la merde. C'est fini, quoi, le jeu, il est fini. Y a pas deux plateaux. Allez, on va faire comme ça. Et on est 2-6. Non, 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 non! Mon trésor! Je crois qu'il fallait juste arriver en bas, c'était bon. Jeu de ses morts. 2. Passionnant, on s'arrête juste avant. Incroyable. Encore un mini-jeu. Waouh, vache, on enchaîne. Oh putain, qu'est-ce qu'on s'amuse. Mushroom trampoline, saute sur le champignon pour atteindre la porte. Se déplacer, aller dans le tuyau. Comment ça se... Hein? Hein? Comment tu fais? Hein? Comment tu fais? C'est quoi le principe? Hein? C'est quoi le principe de ces morts là? Oh, oh. Yeah. Le jeu. Mais c'est de la merde. Il est où, lui? Ah, il est en train d'arriver à Sydney. C'est pas... Encore un mini-jeu. En fait, les mini... Encore celui-là. Mais...
un Mario Party, c'est les mini-jeux, t'as hâte qu'ils arrivent parce que c'est drôle. Et là, c'est les mini-jeux, je veux pas les faire en fait, parce que c'est pas amusant. Et pourquoi je descends pas? Connard! Pourquoi je remonte? Ah mais c'est vrai que j'ai un coffre. Oh putain, faut que je regarde ça. Faut que je regarde le coffre en plus. Oh là 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 là. Hello, petite merde. Faut que je pense à le ralentir là, parce que ça va pas. Il va acheter quoi? Et il achète l'art parce qu'il veut me ralentir, forcément. Connard. 33%, on a fait un tiers. C'est quoi le coffre au trésor? Il y a peut-être un objet. Bah vas-y, fais péter. Un bijou? Le sifflet dompteur de tortue. 4, waouh, 1, 2, 3, 4, allez, on va au shop avec 13, on peut rien faire. Mais on a 3 joyaux, ce qui est très bien. Ah, si! Ça sert à quoi, ça? Tout voir dans un coffre, on s'en bat les couilles. Banane, le joueur qui marche dessus tombe. Vas-y. Vas-y, je prends la banane, je m'en bats les couilles. Voilà. Je me passionne pour ce jeu. Bon bah on est à 3 partout. Et on va tous les deux vers les États-Unis. Alors on va le ralentir tout de suite parce que je commence à en avoir plein le steak là. Voilà. Paf. Voilà. Ensuite, je fais un 9, ce qui est un score correct. 7. 5, 4, 3, 2. Ok, il me reste 2. Si je passe par là, 2. Bah, c'est la même chose. Eh ben, on va sortir. 2, et il faut que je parte par là. De toute façon, j'ai pas le choix. Et un mini-jeu magnifique. Allez, la chasse au trésor. Y'a combien de mini-jeux dans ce jeu de merde? Oh non, c'est pas le même trajet! Oh vite, 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 grimpe là, grimpe là, grimpe là, grimpe là, grimpe là. Hein? Pas compris! What? Ok. Hein? Moi j'ai réussi à aller au bout cette fois-ci. Oh, c'est détestable. Un demi. Un demi de 8. Allez, 4. Ce qui est déjà beaucoup trop. Pourquoi il part vers le haut? Par où il faut que je parte? Je pars par là. Pas le choix. Ok. Utilise le sifflet pour appeler une tortue géante qui t'amène ailleurs. Tu ne peux pas obliger parce que tu n'es pas... Personne n'est dans le cerf. D'accord, ok. Tant pis. Tant pis, tant pis. 2. Qu'est-ce qu'il fait? Et va me...
Well played, Marc-Antoine. J'en veux plus de ce jeu de merde. 10 en plus. Mais pas si. Oui, fais le tour de la map comme ça, ça me va. Tiens, je pourrais mettre une banane au pire sur le chemin, ça va être... Ça va être chouette. Tiens, non, je vais pas la mettre maintenant, je vais la mettre au tour suivant. Voilà, je vais mettre la banane là. Oh. Oh, le fond vert, il apprécie pas. Hein. À l'attaque. Oh putain, the pipe. Presse le tuyau jusqu'à la porte. C'est le même mini-jeu que les champignons. C'est de la merde. Ok. Mais reprends pas le même, connard. Hello, vas-y, putain. C'est un jeu de la chatte à ta mère. Putain, c'est pas possible. Déjà, je comprends même pas, parce que les mini-jeux se jouent à 4, alors que le jeu, il se joue à 2. Enfin, aucun sens. 3. Ah bah, enfin, il avance pas vite. Oh là là là. 41%. Putain, on commence à arriver à la moitié. Par contre, je suis dans l'océan. On va voir, ça fait quoi. Tiens, je vais regretter ma décision, mais... Non? Non? Je l'ai mis. Je viens d'inverser ma position avec lui. Je viens de le rapprocher de sa destination, putain. Bah non, non, j'ai rien dit. J'ai rien dit du tout. Bah, je sais pas où je l'ai foutu. Je sais pas où je l'ai mis. Je suis à Londres. Je sais pas. J'ai pas compris. Je suis au Groenland. Là, j'ai pas compris. Il est où? Je l'ai mis en plein milieu. Je l'ai aidé. Je l'ai aidé en gros. Là, il est en dessous de l'Alaska. Ma vie, c'est de la merde. Qu'est-ce que c'est que ça? Raise the flag. 20 drapeaux apparaissent un par un. Lève le drapeau de la même couleur. Tu perds si tu le lèves trop tard ou s'il est de couleur différente. Vert, rouge. Ok. Ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Vert. 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 Rouge. Vert. Rouge. Vert. C'est passionnant. J'ai perdu d'où? Mais j'ai fait la... Bon. Allez. C'est loin, New York, putain. C'est moi ou je fais trop loin? Pourquoi je fais aussi loin? Je suis au milieu des États-Unis, bordel de merde. Totem Pole. Il faut sculpter un totem dans une bûche. Sculpter. Encore un bout. Putain, encore un jeu où faut. Voilà. Ça c'est fait. 20 x 2, merci. 86, ah bah voilà là, ça progresse, bordel de merde. J'aimerais en fait finir vite, faire une vidéo sur le jeu et dire il est torché. Le truc, c'est que normalement, dans pas longtemps, je suis censé passer sur autre chose, tu vois. Il les casse un peu. Et il arrive au Texas. Pendant ce temps, c'est génial. Je sais même pas si je fais la bonne... Normalement... Thank you.
il arrive à New York. Et en plus, il... Que je gagne ou que je perde cette partie, je ne ferai pas d'autres vidéos dessus. Oh putain, j'en peux plus. Non, non, c'est pas... Alors, on est à la moitié de la partie. J'en peux plus. Allez, un bon score. Voilà. La harpe appelant la foudre. Oh oui, voilà, on va le stopper. Putain, on est juste avant New York. Passionnant, passionnant. What a gameplay. Pourquoi il grimpe? Oh, on va se fight. Oh, on va se fight. Attends, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il achète? Attends, là, il a acheté un échange. Il a acheté un échange. J'ai très peur. I am Fred. Tu fais face à face. Ah, il veut pas qu'on s'affronte. Sac à merde! C'est quoi que j'ai gagné, moi, par contre? Appelle la faute sur un autre joueur pour le blesser. Mais blessons Marc-Antoine, oui! Oui, nous blessons Marc-Antoine! Bien sûr! Voilà! Mange-toi la foudre Acmé! Très bien! Et maintenant on joue. Putain, 5, jeu de pauvre. Passionnant, passionnant. On va finir le jeu. La vidéo elle va durer... Oh putain, ça fait 40 minutes. Ok. Ok, ok. Ouais. Bah, ce sera... ça aurait peut-être été coupé en deux parties en fait. On verra. Ah, c'est encore un mode joué. Parfait. Allez. 6. Allez. 4 bijoux chacun. Il en manque un. Il en manque un. Tu sais que moi je vais passer par en dessous, fils de. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Très bien. Voilà, ça c'est bien. Ça c'est bien. Non, c'est débile. Allez, on est en avance. On, allez, on n'est pas loin de la fin. We can do it. On va le faire. Incroyable. Oh putain, on est... oh là là là, oui, effectivement, c'est très serré, c'est très serré. Ok, bon, alors, au meilleur moment, las, pouf, 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 pouf. Où est Rio de Janeiro? C'est en dessous. Allez, on y est presque. On y est presque. We can do it. Unbelievable. Nous pouvons gagner la partie et terminer ce jeu de merde qui sera le premier de la grille terminé. Hein, quand même fait un 10, hein, l'enfoiré. C'est pas fini. C'est loin d'être fini. À moins qu'il faille atteindre une... Oh là là, j'espère pas. J'espère pas qu'il faut atteindre un endroit en particulier à la fin. 8. Allez. Rio de Janeiro. Je suis pile dessus, j'ai les 5 joyaux. J'ai gagné. J'ai gagné. Oui.
Oh, jeu de merde. Je suis si heureuse, mon petit canari. Tous tes amis ont travaillé très dur pour te sauver. Ah, c'est vrai. C'est pas faire. C'est lui qui voyage le plus. Et Marc-Antoine Fortuné. Merci, Marc-Antoine Fortuné. Y'a pas de quoi. Et avant tout, le premier à avoir réuni les 5 bijoux est Sam le pirate. Sam la pirate. Eh oui, vous ne le saviez pas. En 2001, Sam le pirate considérait qu'il était une femme. Merci. Merci, j'ai fait de mon mieux, X. Et plus important, le E. Le... le E. Premier à avoir réuni le pouvoir de tous les bijoux... De toutes les bijoux. Oh. Ils se sont pas fait chier sur la traduction. Ils s'en battaient les couilles. Le pouvoir de toutes les bijoux et Sam la pirate. Bien sûr. Merci Sam la pirate. Oh non. C'est ainsi que Titi fut sauvé. Et il aima ses amis encore plus qu'au... Oh non. Fin. Ouais. C'était vraiment de la merde. C'était nul. Soit j'en fais une vidéo de 3 quarts d'heure, soit j'en fais 2 vidéos de 20 minutes. Je pense que je vais pas vous faire souffrir à 2 reprises, je vais en faire une seule. Ouah, c'était vraiment de la merde. C'était vraiment de la merde. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le tirage de la roue pour sélectionner le prochain jeu. Comme ça, ça va vous faire plaisir. Ça va être pas mal. Alors, on va procéder au tirage pour sélectionner le prochain jeu. Vous voyez, tous les jeux sont sur la roue. Titi et les bijoux magiques donc a été terminé rapidement. Hein. Je pense que là, on peut pas choisir d'autres mots. Un jeu jaune, ligne 2, colonne 2, pour ceux qui ont fait leur pari pour le bingo. Vous voyez hein, ce que ça donne quand le jeu est terminé, comment il est barré. Et donc, on va tout de suite procéder au tirage au sort. Et donc, le prochain jeu, c'est Wild Animal Racing. Donc, colonne 5, toujours ligne 2, jeu vert comme Lightfall. Décidément, vert et jaune. Wild Animal Racing. Eh bah putain, je vais encore passer un bon moment. Hein. Ah, bon. Eh bien voilà, le prochain jeu sur la chaîne, vous êtes au courant. On termine là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, cet instant de souffrance. Et moi, je vous dis à la prochaine, tout le monde. Salut!